Parmi les percées historiques des libéraux jeudi soir, on compte l'élection de 4 députés en Alberta, du jamais vu à Calgary depuis 1968. Ludovic Bourdage nous présente l'un de ses nouveaux députés. Porté par la vague libérale, le député de Calgary-Centre, Kent Hare, est un visage connu en Alberta. Il a confié pendant la campagne que tout dans son parcours l'a préparé à représenter cette circonscription à Ottawa. Dans sa jeunesse, Kent Hare était un joueur de hockey élite, mais sa vie a basculé le soir où il a été atteint par balle lors d'une fusillade à bord d'une voiture. Mais son handicap ne l'a pas empêché de travailler pour un grand cabinet d'avocats et d'être élu en 2008 à l'Assemblée législative de l'Alberta au sein de l'opposition officielle, d'abord dans un caucus de 9 députés, puis 5 en 2012. Ce sera donc sa première expérience au sein d'un gouvernement majoritaire. Durant sa carrière en politique provinciale, il a été tour à tour porte-parole en matière de justice, de finances et d'éducation post-secondaire. Il blague que c'est sans doute ce qui a mis les électeurs de Calgary-Centre en confiance et contribué à son élection. I think some of them think I did an okay job the first 8 years in the provincial legislature, and I've earned their trust and many more going forward to the national government. Ses partisans soulignent que ce sont ses qualités d'accessibilité, de proximité avec la communauté, son attachement pour Calgary et son travail acharné qui ont fait son succès. That boy, he worked the hardest. Kent Hare sera le 3e député en fauteuil roulant à faire son entrée à la Chambre des communes et certains observateurs avancent même qu'il pourrait être ministre.